Décidément, je suis vraiment pas un designer. Ça, c'est censé représenter la Q6 e-tron, la celle que j'ai devant les yeux. Clairement, ça ressemble pas du tout. Allez, venez avec nous, ça va être beaucoup plus simple. Allez, juste là. Et mine de rien, ce que vous avez devant les yeux, c'est une vraie révolution. Alors, une révolution technique, pas esthétique, car clairement, au niveau du style, vous avez quelque chose de assez convenu chez Audi. On a presque la sensation d'être devant une Q4 e-tron, mais non, c'est bien la nouvelle génération de la Q6. Et ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est vraiment pas ce qui se voit, bien qu'on est sur des faces avant typiques de Audi, avec cette belle calandre et surtout les jeux qu'ils ont créés, la designer, avec cette ligne de signature et les feux déportés qui donnent vraiment ce caractère très Audi. Et alors là, je ne vais même pas vous parler là du nombre de segments que vous avez ici, c'est juste techniquement hors du commun. Moi, je vais plus vous parler de ce qui se cache à l'intérieur, là, sous les batteries, toute la technique. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme PPE. C'est la nouvelle génération de plateformes que vous avez chez Audi qui a été faite et conçue avec Porsche. Oui, mine de rien, là, vous avez presque une Porsche Taycan, au niveau technique seulement. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que au niveau électrique, aujourd'hui, on est sur quelque chose de dingue. Pourquoi? Parce que c'est capable d'être rechargé jusqu'à 270 kW. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une plateforme 800 volts. C'est carrément dingue. Alors, les chiffres à retenir, mine de rien, que nous avons pour la recharge, c'est que la courbe de recharge commence très très haut, descend, et moi j'ai fait mes petits calculs comme ça, on est presque entre une courbe moyenne de 170-200 kW, ce qui permet à Audi d'annoncer une recharge de 10 à 80% en seulement 21 minutes. On commence à toucher l'acceptable de recharge possible dans une voiture électrique. Donc ça, c'est vraiment un plus, et c'est là son vrai point fort. Puisque pour le reste, après, vous avez tout ce qui fait une Audi, vous avez un produit généralement bien conçu à l'intérieur, bien conçu à l'extérieur, et vous avez des puissances de folie. Alors, la Q6 e-tron Quattro, donc 4 roues motrices, c'est l'entrée de gamme. En France, elle est vendue à moins de 84 000 €, et vous avez quand même la puissance de 388 chevaux. Là, la nôtre, c'est une S. Q6. Évidemment, puisqu'on a le patronyme S, eh ben on en a beaucoup plus. On est à peu près à 518 chevaux. C'est colossal. Et le 0 à 100, donc pour cette version totalement folle, on va passer de 0 à 100 en un peu moins de 4 secondes 3 de mémoire. Alors que l'autre, on demandait un peu moins de 6 secondes, on était à 5 secondes 9. Donc c'est vraiment costaud. Au niveau aussi de l'architecture, j'allais oublier, l'une des vraies innovations qu'a vraiment mis en place Audi là-dedans, c'est l'architecture 3E. Alors, c'est tellement complexe que moi, je vous conseille d'aller sur le site, parce que là, j'ai fait un petit pavé, pardon, qui vous explique vraiment toute l'architecture, parce qu'il s'agit de 5 ordinateurs qui ont vraiment des compétences spécifiques. Grosso modo, ils gèrent le train roulant, ils gèrent l'infodivertissement, les ADAS, toutes ces choses-là, donc c'est assez technique. Donc, pour ne pas vraiment vous noyer dans l'information, il vaut mieux le lire patiemment sur les articles. Maintenant, moi, je vous proposais de passer à l'intérieur parce qu'il y a vraiment des petites choses à dire. Allez, on va à l'intérieur. Alors, nous voici enfin à l'intérieur de cette Q6 e-tron. On va parler d'abord du tableau de bord, puisque c'est l'essentiel du travail, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas un écran, il n'y a pas deux écrans, il n'y a pas trois écrans, il y en a quatre, puisqu'il y en a un autre ici devant. Oui, alors ici vous avez le Digital Cockpit, un grand classique chez Audi, et d'ailleurs
ISA Faire avec la modulation que vous voulez. Vous pouvez tout gérer à l'intérieur, c'est vraiment génial. Vous avez évidemment le multimédia, le grand classique qui est ici. Donc là aussi, le son, le GPS, les informations sur la voiture. La petite nouveauté qui commence à arriver sur tout ce qui est premium, c'est un écran pour le passager. La grosse nouveauté aussi là-dessus que j'ai vraiment apprécié, c'est que le passager peut utiliser le GPS et compléter les informations pendant que le pilote conduit. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez envie d'aller chez mamie, tout à coup vous devez faire des courses à Intermarché, on peut taper ici Intermarché et le mettre en le point juste avant, donc avant celui d'arrivée. Et donc le dernier, et c'est le plus gros, c'est celui qui est en face, donc en vision tête haute. On est sur une tête haute simulée jusqu'à 88 pouces. Et l'une des spécificités du groupe Volkswagen et donc d'Audi, c'est d'avoir en plus la vision à réalité augmentée avec des flèches qui vous indiquent où tourner quand vous avez mis le GPS du véhicule. Ça, c'est vraiment excellent. Après, question finition plastique. Là, on est sur une version que j'apprécie particulièrement. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est une belle présentation avec des belles surpiqûres, des plastiques plutôt intéressants. Bon, là, les sièges, moi, personnellement, j'adore. Évidemment, on est sur une Q6, donc sur une version sportive et haute finition. La Q6 classique, vous aurez du jean dedans. C'est assez, assez sympa. Vraiment, j'ai plutôt assez apprécié. Sinon, l'ergonomie en soi, on est plutôt sur quelque chose de classique chez Audi, on est, voilà, c'est pas guiré, mais c'est plutôt assez bien fait. Moi, il ne me tarde que d'une chose, c'est de la conduire. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il va falloir passer sur la revue automobile pour voir les photos, donc ce fameux texte plus complet. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour des essais, car on est au courant déjà qu'on aura des essais donc en fin de second semestre. Donc, à bientôt et surtout, restez connectés. Ciao, ciao !